Sophie. Bonjour. Là. T'as l'air en forme. Si. Et dans ton... Quoi? Non, vas-y, dis. J'allais dire, on travaille. Ah, ça va bien. Ça marche. Oh, ouais, très bien. Je suis président de rien, mais sincèrement, ça va. Monsieur, prendra quelque chose? La même chose que madame. Vin blanc. Vin blanc, s'il vous plaît. Et Billy? Ah, Billy, il est magnifique. Il grandit vite. Hein. La dernière fois au parc, il est tombé d'un jouet pour enfants, là. Il s'est ouvert le... C'est ouvert ici, j'étais paniqué, j'ai envoyé, j'ai couru à l'hôpital, j'ai vraiment eu peur en fait. Il aurait pu perdre un œil. Hein. Bon, là ça va, il y a une petite cicatrice qui se voit encore, mais. Enfin, je m'en veux, j'étais responsable en plus. Oh non, t'as tort. Ça se voit absolument pas de loin. Tu l'as vu? Il m'arrive de temps en temps d'aller dans le petit café en face et de le voir. Qu'est-ce qu'il a grandi? Tu t'installes juste au café en face pour le regarder? Je suis revenue à New York il y a 2 mois maintenant. Je savais pas. Ah oui, c'est pour ça que je voulais te rencontrer. La dernière fois que tu m'as vue, j'étais pas dans un très bon... Non. Pas un très bon état, on peut dire ça. Ouais, c'est vrai, je sais. T'as l'air d'aller beaucoup mieux. T'as l'air épanouie, là. Ouais, j'avais préparé un speech. Vas-y, dis-le. Je t'écoute. Tu sais... Toute ma vie, j'ai été la femme, la mère et la fille de quelqu'un et je savais pas qui j'étais. Et même lorsqu'on nous vivions ensemble, je savais toujours pas qui j'étais. Et c'est la raison pour laquelle je suis partie. En Californie, je me suis retrouvée. J'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un psychothérapeute, un très bon. Et je me sens beaucoup mieux dans ma peau et j'ai découvert certaines choses sur moi-même. Lesquelles ? Non, sincèrement, dis-moi lesquelles, ça m'intéresse. Eh bien, d'abord, j'aime mon petit garçon. Et je suis capable de m'en occuper. Ça veut dire quoi, ça? Je veux mon fils. Hors de question. Mais ne sois pas agressif tout de suite. Je suis pas agressif. Ne me parle pas sur ce ton. C'est qui nous a plantés il y a 15 mois. Tu crois que tu peux débarquer ici et récupérer ton fils? Mais je reste sa mère. Une mère à 5000 km, il t'a pas vu pendant 1 an et demi. Tous les soirs, quand il pleurait, il n'était pas là. C'était vital pour moi. C'est pas des cartes postales qui peuvent remplacer le rôle d'une mère. C'était vital pour moi, il fallait que je parte. Mais il fallait pas partir si loin. C'était une vie, une question de vie ou de mort. Je n'avais pas le choix. Question de vie ou de mort? Oui. J'allais très mal et toi, tu ne voyais pas mon mal-être et j'aurais pu sauter par une fenêtre. T'aurais préféré que ton fils reste sans mère. J'ai pas dit ça, mais t'aurais pu m'en parler. Tu t'aurais pas compris. Tu nous as plantés du jour au lendemain. Je me suis pointé un soir, t'es parti. J'ai failli perdre mon travail. T'aurais pas compris. J'avais pas le choix. Il fallait que je m'en aille. Mais j'ai pas. T'as toujours le choix. Non, il fallait que je me retrouve et. Je pouvais pas. Tu nous as abandonnés, putain. Abandonnés. Je n'ai jamais cessé d'y penser. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Tous les soirs, il pleurait en pensant à toi. T'as pensé à ça? À la souffrance que tu lui as fait? Tu crois qu'il va revenir avec toi maintenant? Qu'est-ce que t'en sais qu'il veut pas de moi? Je refuse d'avoir du genre de discussion avec toi, de toute façon. N'arrête pas de s'engueuler, ça fait 8 ans qu'on s'engueule. Je vois qu'il n'y a rien qui a changé. Tu peux pas m'empêcher de reprendre mon fils. Alors là, si! T'as pas à me dire des choses que je dois faire ou pas faire. J'avais... Tu me parles pas comme ça, ça fait... Je savais que ça en arriverait là. Tu fais ce que t'as à faire, moi je fais ce que j'ai à faire. Désolée. Je peux te voir!